Voici une nouvelle vidéo qui va concerner toujours un signal qui est très utilisé aussi dans les automatismes. C'est le signal de pente. C'est la pente. Alors la pente, je vais la dessiner sur GeoGebra. C'est une pente quelconque, hein. Bon, donc si t est négatif, strictement négatif, ben on a 0, sinon on a une pente. La pente, je vais prendre par exemple 5x. La pente vaut 5. Oui, c'est pas t, c'est la variable x. Voilà, j'ai pris une pente de 5x. Bon, si je peux diminuer la pente, hein. On peut faire ce qu'on veut. Je vais diminuer la pente, je vais mettre 3x. Voilà, je peux mettre une autre pente. On va mettre 2x. Voilà, je peux mettre une autre pente, je sais pas moi. On va mettre une fraction. On va mettre 0,5x. Voilà. Et ça, c'est la pente. On s'est réglé la pente. Alors, j'ai calculé la transformée de la place de ceci, de cette pente. Alors, comment elle va se définir? Ben, vous aurez compris que c'est une fonction qui est un coefficient angulaire A. Un coefficient angulaire A fois une variable t, bien sûr, on peut multiplier la fonction unité. Donc je calcule l'intégrale de 0, enfin, dans le domaine de 0 à l'infini, vers une tendance infinie, de A de t, U de t, E moins PT dt. Alors, la fonction U de t, elle vaut 1. Bon, ça, je peux déjà l'enlever. Elle vaut 1, c'est pas un problème. Celui-ci, c'est une constante, il sort du signe primitif, du signe intégral plutôt. Et on va devoir intégrer l'intégrale que voici. Vous aurez compris que c'est une intégrale par partie. Hein. Bon, elle est fort utilisée une fois qu'on utilise, on travaille sur les intégrales. C'est une intégrale qui revient assez souvent à l'exponentielle de t moins pt dt. Voilà, c'est une intégrale qui est assez souvent utilisé en mathématiques et en automatisme. Je vais la calculer maintenant. Donc pour ça, je vais faire un changement de variable. C'est une intégrale par partie, hein, vous le savez très bien. Pour ceux qui savent faire les calculs de primitives, bon, ils voient tout de suite que la primitive est une primitive par partie. Le tout, c'est de bien choisir sa variable. Vous avez deux choix possibles. Hein. Vous avez deux choix possibles. Je prends le choix où U vaut T. Donc, si j'ai U, la différentielle de U vaudra 1. Et je vais prendre dV. dV égale E moins PT. E moins P. Ouais, je ne sais pas pourquoi je fais ça. E moins PT dt. Alors, à chaque fois, je vous dis que j'oublie les signes différentiels. Effectivement, parce que ici, j'ai oublié la différentielle dt.
Et donc là, il faut intégrer E-pt, ça c'est, je l'ai déjà fait plusieurs fois, vous savez très bien que c'est E-kx. Primitiver E-kx, bien sûr dx, c'est moins 1 sur k, E moins kx plus constante, mais ici comme c'est une intégrale, bon, j'ai pas besoin de la constante, hein. Moins 1 sur k, E moins kx. Ce qui veut dire qu'on aura moins 1 sur p, E moins pt, E moins pt. Je vais laisser ici celui-ci. Alors, on va primitiver ça. Donc, là, c'est le U. Et ceci constitue le DV. Donc, j'aurai le A entre crochets. On aura là l'intégrale. Donc on aura UDV, ça va donner U fois V, moins VDU, à primitiver. Donc U fois V, c'est T fois V, qui est 1 moins 1 sur P. E de moins pt moins l'intégrale de VDU moins 1 sur p E moins pt, ça c'est V, et DU c'est une fois t, donc c'est-à-dire dt. Bien sûr, entre les bornes, 0 et une tendance infinie, 0 et une tendance infinie. Alors, je vais arranger les choses pour faciliter l'écriture. Alors voyons voir. D'abord, je vais remplacer par les bornes. Ici, c'est t tendant vers l'infini. Alors, e de moins l'infini, une tendance de e moins l'infini, ça fait 0. Ça fera 0. L'exponentielle, alors, en moins l'infini, ça tend vers l'asymptote y égale 0. Tend vers l'axe des x, donc ce qui est y égale 0. Donc ça fait, à la limite, ça fait 0. La tendance infinie, elle fait déjà 0. La tendance infinie fait 0. Par contre, la tendance pour t égale 0, ben, je remplace par t égale 0, j'aurai 0. Donc j'aurai 0 moins 0. Et 0 moins 0, ça fait 0. Donc, vous voyez, ceci fait 0. Ceci fait 0. Donc, ça m'arrange parce que tout ça va tomber. Alors, je vais maintenant. On a moins. Moins par moins, ça fait plus. Alors, je vais directement multiplier par A. Donc, on aura plus A. Donc, j'aurai A. Plus A, c'est A. Et alors, il faut évaluer l'intégrale de.
E moins PT DT fois 1 sur P. On va dire E moins PT sur P. Entre 0, les bornes 0 et l'infini. Alors, est-ce qu'il faut calculer cette intégrale-là? En fait, c'est comme s'ils avaient A sur P, intégrale de 0 à l'infini de E moins PT dt. Or, ceci, c'est connu, hein. C'est l'échelon. C'est l'échelon, c'est comme si j'avais un 1 ici. C'est l'échelon. Donc, c'est A sur P fois 1 sur P. Donc, le résultat fera A sur P carré. La pente, c'est A sur P carré. Voilà. La transformée de la pente, c'est A sur P carré. Donc je vais écrire ça. La transformée de Laplace. La transformée de Laplace de la pente qui est AT UT, mais bon, je suis pas obligé de mettre le UT, la transformée de Laplace de la pente, AT, est égal à A sur P carré. Je vous remercie.